Mais il n'y a pas moyen d'être tranquille. Non, je sais pas, tu me suis, je sais que tu me suis, t'es amoureuse de moi. C'est toi, mais il faut comprendre, madame, je suis homosexuelle, ça n'est pas possible. J'étais arrivée avant toi. Mais oui, mais je comprends, mais. Qui suis-je? Il n'empêche, qui suis qui? Qui suis-je? Il n'empêche que c'est quand même toujours un plaisir de vous retrouver, sachez-le. Vous êtes belle, élégante, jolie, et puis professionnelle, très professionnelle. Hein, oui, oui. Je te donne ton chèque. Oui, tu me donnes un rib, je te fais un virement. Ah, c'est toi qui payes finalement? Oui, bah oui, mais j'ai besoin de reconnaissance. C'est généreux. Mais non, mais c'est franchement, elle est bien. Et puis, elle fait des interviews très efficaces, très professionnelles. Il y a toujours tout. Surtout quand il y a Paul Delaf et Antonia. Oui, là, on a pu parler sérieusement, vous avez remarqué. Hein, parce qu'hier, c'était parqué un petit peu, c'est la fête du slip. Mais là, aujourd'hui, non. Et ce soir, les nuits auréliennes. Les nuits auréliennes, un couple magique au théâtre romain. Oh, la gueule va trembler. Pour la toute dernière. La toute dernière de la pièce qui ne se jouera plus. Je suis sûre que tu vas pleurer. Oui, pour ça je suis une tapette. Hein. Pour ça je pleure comme une tapette. Ah oui, tu pleures bien, Dieu. Oui, puis après deux verres de vin, ça y est. Oh, bon. On fera une farandole. Ah. Allez, à tout à l'heure. Retrouvez-moi ce soir pour une farandole, on fait la cheveux, la nini, la chenille.